S'il y a bien une saison qui a marqué les esprits, c'est bien la saison 98. Riche en rebondissements, c'est finalement Mika Häkkinen qui émerge champion de cette saison à catastrophe avec Michael Schumacher et Eddie Irvine en face et une Ferrari F300 qui débarque en mode dans Assetto Corsa. Cette voiture gratuite réalisée par Virtua Simulazioni est disponible dans la description. Vous pouvez retrouver le lien. Ce moteur Ferrari de 3 litres développant 750 chevaux est un V10 qui ronronnera dans vos oreilles. Quel plaisir de piloter cette monoplace qui est tout simplement une bombe sur cette piste de Donington Park. Difficile de la tenir, les changements de cap sont compliqués et le manque de grip d'origine vous forcera à adapter la machine de Ross Brawn et Rory Byrne sur les différentes pistes que vous allez attaquer. Cette voiture est très intéressante, elle est bien modélisée comme d'habitude du côté de chez Virtual Simulation. On a fait quelque chose de tout à fait correct, le travail est à la hauteur de ce qu'avait fait l'équipe pour la voiture sœur de la saison 98, la MP4. 18 évidemment également disponible un peu plus loin dans cette playlist de Track Day. Cette Ferrari a remporté 6 victoires et a signé 3 pole positions seulement. Effectivement, c'est un peu peu quand on sait l'hégémonie qu'avait Ferrari lors des années suivantes, mais c'est encore la période d'apprentissage pour le duo Ross Brawn et Michael Schumacher, tout ça sous le commandement de Jean Todt. Allez les amis, vous connaissez la tradition dans Track Day, montez le son.